BDSM en fait. Avant de passer les meilleurs week-ends de ma vie, bah il s'est passé ça. Je pense que ce Flixbus va être la pire expérience de notre vie. What's up les gars, c'est vrai que c'est une outro, une intro un peu bizarre. C'est juste pour dire, on va passer un week-end à Londres les gars. Mais les galères ont déjà commencé. En fait, j'ai réservé des Flixbus pour pouvoir prendre le ferry et passer dans la Manche. Parce que le cameraman ne l'a jamais fait. Sauf que le billet que j'ai pris pour vendredi, en fait, vu que c'était écrit 1h15, je pensais que c'était 1h15. Il me dit non, ça, cela, c'était d'hier. Donc là, le cameraman a dû repayer 220€, les gars. 220€. Les emmerdes commencent. J'espère que le voyage va être cool. Petit spoil, ça va être sur le thème d'Harry Potter ce week-end. On se retrouve sur la route ou dans le ferry. Je pense que ce Flixbus va être la pire expérience de notre vie. Là, on pensait qu'il y avait de l'électricité et tout ça. Oui, il y en a. Mais les prix sont à l'autre bout. Ils sont pas genre à côté de nos sièges. Là, faut que je me scotche la caméra sur moi. Le gars vient d'annoncer qu'en fait, je suis allé 9 heures de route. Il n'y a pas d'arrêt. Du coup, on peut pas manger dans les 9 heures alors qu'il est 1h30, les gars. Donc, on arrive à 10h, 10h30 à Londres. Et en plus, il n'y a pas de wifi. Il n'y a rien. Pourquoi ça arrive qu'à nous? Ah, le calvaire, le calvaire. Les amis, on est enfin arrivé au ferry. Vous savez c'est quoi le plus important en ferry? Je sais pas, vous allez comprendre, video games, juste derrière moi. Pour ceux qui savent pas en fait, il y a des grosses trucs de bandes d'arcade, de peluches. Et il y en a sur plusieurs étages. Il y a même des magasins. Après vu qu'il est 6h, je sais pas si on va en avoir. Va falloir qu'on refasse le Daryl. Hein. Il n'y a pas le choix. Oh, allô. Oh non, dommage. Les gars, il y a un Vegas slot. C'est fermé. J'ai trop le seum. J'aurais tout misé sur le noir. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité, portez attention. C'est dingue. Faut pas oublier qu'on est quand même dans un ferry, quoi, sur un bateau. Il y a un magasin dans un bateau, les gars. Du coup, là, on est là. Et pour sortir, c'est juste ici. Bon, let's go. Oh yes, on a enfin trouvé le outside. Oh non, me dis pas qu'il pleut. Oh, c'est classe. Pardon, j'ai fermé la porte à la gueule. Bon, les bruits que vous entendez, du coup, c'est les bruits du moteur. Et je vais vous montrer la vue qu'on va avoir. Les gars, c'est juste dingue ce que je vis dans la vie de tous les jours. Regardez. C'est pas sublime. Ouais. Oh, il y a le lever du soleil là-bas. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein, juste wow. De toute façon, les week-ends à Londres sont juste insane. Et j'avoue, putain, ça fait trop bizarre de marcher pendant que le ferry il bouge. Oh là 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 là. Comment c'est classe. Goodbye le port. Des petits bonhommes qui travaillent. Quick, quick. Bon, on passe au Terminator 2. Let's go, hein. Ah, la pièce n'est pas passée. Ah. Attends, je vous pose ici, bougez pas. T'as un. One eternity later. Ça prend pas la monnaie. Soit on essaye ça, mais ça, c'est galère, je crois. Tu veux essayer quoi, ça? Dépense? Ok, let's go. Let's go, on va essayer de choper le lapin. Mais non, mais attends, mais aucune de nos pièces passe. C'est un calvaire cette machine. Pas possible. One eternity later. Ah, peut-être à côté, attends. Ah, voilà. Magic. My bad. On a tous vu. Aïe aïe aïe. On va peut-être arrêter là. Oui, on voulait que tu essayes, mais tu vas pas essayer. Non. Ça ira. C'est un beau bateau, il faut qu'il se rentabilise. On peut pas ouvrir. Là, là. Oh, let's go. Attends un peu. Tiens, 1€ pour toi. T'es quelle course toi? Argentine aussi? Non.
Par contre, j'ai jamais vu en fait. Tu. Attends, merde, comment je le donne. Non! J'ai jamais vu une moto avec un pad numérique pour appeler. 07 80 31 80. Let's go! Comment t'as fait? C'est bon, j'ai trouvé. Let's go, 5ème. Boulou, c'est l'air. Bouh! Enfin bon, j'ai fini 5ème. Bon, on fait une course sur Terminator. Bon, après ces magnifiques plans de coups, j'ai foutu une déculottée. Oh! Parce qu'en fait, du coup, le casino sont ouverts. Regardez. Voilà, c'est beaucoup mieux quand c'est ouvert. Mais ça, c'est toujours fermé dans tous les cas. Ça, c'est toujours éteint. C'est le truc que je préfère, la roulette. Bon, tu viens là? Je sais que tu veux pas que je te foute à déculotter sur les jeux vidéo, mais bon, au bout d'un moment, il va falloir. Il va falloir qu'on ressaisisse tout ça là. Oh, ses cheveux là. J'aurais dû aller au coiffeur avant. Bon, du coup, avant que je fasse une déculottée, on va voir vite fait dans le magasin ce qu'il y a. C'est arrivé duty free, mais faut pas oublier qu'on est sur un bateau, les gars. C'est 4 bouteilles, 40 livres sterling. Oh my god. Oh my fucking god, I'm Bombay Safi. Oh. Bombay. Diamond fingers. Je vais tout dire en anglais maintenant. Je suis un putain d'anglais, les gars. Merman Zeg Jean. Oh, le Bombay Sapphire. Oh, qu'est-ce que c'est beau. En fait, là, on est que dans l'alcool, quoi. C'est abusé. Il n'y a pas un autre truc. Ah, si, c'est du parfum, quoi. Oui, il y a des trucs de touristes. Putain, la caméra, elle fait trop, là. Et désolé, les gars. J'essaie encore de comprendre comment elle fonctionne, cette caméra. Plus moi, si ça casse les couilles, hein, que je parle anglais. Hein. Franchement, je le prendrais pas mal. Oula, on penche. T'as senti le penchement ou quoi? Tu vas pas le chercher pour me casser la gueule? Ah si, je vois que tu es en train de te casser la gueule. Les gars, on est enfin arrivés sur les terres de Londres. Oh, je suis content. Cette terre m'avait manqué. Mais là, premier pas à Londres. Qu'on aille chercher une boisson énergisante, sinon on va pas tenir toute la journée. C'est impossible. Là, faut qu'on tienne pendant au minimum encore 11-12 heures. Alors qu'on a presque fait nuit blanche. Faites pas attention à ma coiffure, ça va pas s'arranger en plus avec la journée. Ça, c'est le Londres que j'aime. C'est vraiment ça. Donc, la première mission, trouver un magasin où on peut prendre une Red Bull. Ça va être compliqué. Tu m'avais dit quoi, toi? Tu voulais qu'on aille vers un magasin Harry Potter? Ouais. Et qu'on, comme ça, on, si on trouve un magasin. Un marché entre temps. Ok. Parce que moi, je kifferais retrouver aussi la boisson, tu sais, coréenne que j'avais bouffé, que j'avais bu, tu sais, à la pastèque. Ah, on va pas être très loin. Ouais, ça serait sympa aussi, ça. Je sais pas si vous vous rappelez, de toute façon, normalement, on va réussir à en retrouver une. Donc, bah voilà, hein. Let's go! Est-ce qu'on va voir ou pas? Les gars, on est arrivé dans un Candy World. Il y a vraiment du Harry Potter partout. Hein. Si tu cherches un peu, il y a des jelly partout. Tu sais, juste ce qui me fait peur. Bah, il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix. Et ça, oh, le nombre de Kit Kat, toi. Juste une déguisition Kit Kat. Oh, j'avoue, le Big Oreo, toi. Ah, y a des monsters là aussi, mais bon, c'est pareil, ils vont être à combien, je sais pas quoi. Mais au moins, on les aurait trouvés quoi. Ouais. Mais quand je vois le prix de la Prime, 15 livres, ok, c'est une édition. Je sais pas, vous avez trouvé. Ouais, c'est. Je savais pas qu'elle existait. On va prendre ta pêche. Ouais, moi non plus. Dr Pepper Creamy Coconut. Mais wesh, abusé. J'ai l'impression qu'ils ont plus de choses qu'ils ont aux States quoi. Ouais, par contre, et là, j'aurais voulu goûter des nouvelles Prime, j'avais le choix là. Oh là là. Y'a que eux qu'on connaît. Bon, on enchaîne là avec les magasins, faut que je prenne une boisson. Sinon je vais dormir. Let's go. Les gars, je suis tombé sur un magasin Ichiban Gucci. Wesh. Abusé.
Et pour ceux qui kiffent les capsules là, comment ça s'appelle déjà? Des gachapon. Oh là, il y a le choix en gachapon. Hein. Oh my god. C'est pas trop. Mais là, t'as Kaiju numéro 8, du Blue Lock, du Dead Unlock, moi je me regarde en slime. Yu un coup. Ils sont vraiment tous, c'est abusé. Pour deux jetons, c'est 4 livres. Mais il en faut 3. Bah c'est 6 livres, mais pour nous ça fait quoi, 7-8? Bah ça fait 8 euros pour un petit truc, ouais non c'est un peu cher. Hein. Mais par contre c'est trop classe. Pressé d'être au Japon pour le faire. Hein. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pressé de voir des vlogs de Japon. Moi je suis pressé d'en tourner. Déjà il va y avoir des beaux petits vlogs qui vont sortir en novembre là. Novembre-décembre. J'en dis pas plus. Hâte de les voir. Bon, c'est là-bas, il y a une ligne de métro. Et pour ceux qui savent pas, pour passer dans le métro maintenant, il faut juste la carte bleue. Et voilà, et là il y a un quota de 15 livres, c'est ça, 15 euros ou 15 livres par jour? Tu peux pas dépasser. Je crois que c'est 15 livres aussi, donc c'est plutôt pratique. Les gars, on est en train de rigoler avec le caméraman. On disait, nous, on a des guitares, on a des flûtes, des saxophones. Eux, ils ont des... comment on appelle ça, là? La corde de muse. Bienvenue à Londres. Là, on arrive bientôt au magasin. Moi, je vois une boisson. Et j'ai les cheveux gras. Je reconnais le Big Acre. Bon, du coup, là, on va aller où, là? À gauche ou à droite? Ok. Oh là là. Ah oui, putain, c'est vrai, faut qu'on aille au... Comment on appelle ça, le truc de jouer, là? Amelaze. Ah ouais, faut qu'on aille à Amelaze, là. Putain, j'ai la flemme de mettre le micro, les gars. Je le sais, c'est pas bien, j'ai un truc avec un magnifique micro. Mais je sais pas, ça me fait chier dans la rue de le porter et tout. Toi, tu me conseillerais quoi? Je dirais de le mettre parce que je vais payer la peau d'épaisseur. Ok, je le mettrai pas, du coup. Ah, le bâtard. Oh, Hard Rock Café. Ah ouais? J'avais oublié. Bah, je sais qu'il y en a dans tous les pays, mais. Et après, il y a Hongrie, tu sais que j'ai jamais été à un Rock Café. Hein. C'est vrai? Quand je vois les t-shirts, les pulls et tout. Mais bah ouais. Putain, la boutique, elle est magnifique à l'intérieur. Viens, on va voir vite fait, on va acheter un œil. Bon, le week-end Harry Potter se transforme en week-end shopping. Mais si, je te vois en rapide. Mais du coup, là, il doit avoir écrit Hard Rock London. Ouais, je vois. Un pic. Ouais. Tu vois, c'est le E que je connais, quoi. Ouais. Ou les noirs. Je sais pas, ils sont à combien? Pour 28. Ouais, 28. Ça fait 35 euros quand même. Hein. Oh, des mini shots. On va se bourrer la gueule. Est-ce qu'on va enfin chercher notre boisson là? Chaque fois, tu nous distrais là. Bon, je vais me casser la gueule. En vrai, tu penses qu'il y a encore des gens qui appellent dans ces lits? Ah bah oui. Ah non, c'est juste pour la photo. Ah, un touriste. Enfin, on nous dit on est des touristes. Un comme ça, c'est pour appeler des... Des non, c'est rare. Ah oui, les... Han Han. Attends. Ah, faut avoir plus de 20 ans. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment ça, quoi. C'est pour avoir des numéros de... Han Han. Ah, c'est par là, là? C'est bien écrit BDSM en trop. Oh, oh, on n'a pas le droit de dire ce mot sur YouTube. Est-ce que c'est international, ça? Ouais, je pense, hein. Parce que c'était vraiment écrit comme ça. Ouais, je pense, on n'a pas trouvé notre boisson avant, quoi. On aura trouvé la boutique avant la boisson. Mais là, il y a un gros Kingdom of Thread, là. C'était pas mal, aussi. C'est où qu'on a... Mais c'était à Londres qu'on avait eu plein de trucs coréens et tout pas cher. Je sais plus comment ça s'appelle le truc. C'était pas Happy qui était hyper cher? 121 euros. Pour les gars qui se rappellent de ma vidéo où qu'on a dégusté plein de restaurants, c'est-à-dire que le Shake Shack est pas loin. Est-ce que là on va aller au Wizard? Putain, désolé les gars, la caméra. Est-ce qu'on irait pas au Wizard juste ici? Mais regarde comment je dois tenir la caméra pour filmer là. C'est pas normal, hein. Je pense que tu dois peut-être apprendre à... Allez, je pense aussi... Oh, mais non, mais on regarde ce grand plan de coupe, là. Putain. Oh, la catastrophe. Bon, on se retrouve dans le magasin.
Bon, on est devant le magasin, mais c'est vrai, vous savez pas pourquoi on veut chercher un magasin Harry Potter. C'est qu'on veut un t-shirt Harry Potter pour l'activité de demain. Si vous êtes pas bête, vous savez déjà de quoi on parle. Quoi? Pardon, sorry. Ah oui, des mini prime. Oh, la figurine, toi. Elle est juste magnifique. Oh, il y a comme le vieux vélo et tout. Oh, du sac. Mais il y en a plusieurs boutiques, hein. Mais c'est surtout, j'espère qu'on va trouver un t-shirt Dobby Elves Maison Wanted. Moi, tu vois, j'aurais voulu avec un petit logo, une petite ref. Sorry. Parce que là, je me vois pas avec un t-shirt Sirius Black, quoi. Ou Free Dobby. Libérer Dobby. Je dis Dobby gratuit, mais... Bah non, quand c'est Free ou Freedom, c'est genre libérer ou... Les gourdes sont sympas. Putain. Je sens que je vais encore faire 3 magasins pour trouver le t-shirt que je veux. Elle me pousse le bras. Oh, j'avoue, ils sont stylés. La musique aussi. Tout, 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 tout. T'as la ref? Non, j'ai pas la ref. Love dans le 4. Ah oui, c'est vrai. Et là, je comprends pas pourquoi il y a du One Piece. Le... En vrai, j'aurais compris si c'était Zoro parce qu'il se perd tout le temps. Mais alors là, bon. Faut qu'on trouve un carrefour là, y'a pas le choix. J'ai soif. Et en plus, je veux un Red Bull. On revoit Happy? Non, tu payes. Bah non, toi tu payes. J'ai déjà dû repayer les tickets de bus. Oui, bah oui, c'est vrai, en plus on voulait expliquer 220 euros en plus. C'est ce qu'on a pas fait? Un casino. Un casino? Ouais. Ici, on a pas tous des casinos. C'est vrai. Là en plus, on a juste un balèze ici. Mais bon, on a peut-être pas la tenue pour un casino quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai carrément fumé à son insu, le pauvre. Je flouterai pas, mais le cœur y était, quoi, en tout cas. Il y a Chinatown juste à côté. Regardez, il est juste là-bas. Et là, on va se retrouver dans le magasin M&M's. Parce que je m'en rappelle pas si on leur avait montré le magasin M&M's. Je sais plus. Parce que, en fait, en vrai, à Londres, j'avais juste fait des questions de dessin cristaux, hein, je crois. Bon, on est devant. Ah, no thanks. Ah bah ouais, c'est Halloween M&M's du coup. Non, non, on paie rien, on paie rien. C'est vrai qu'ils sont trop stylés. Non, le... On le vole pas. Il y a le numéro de téléphone dessus. Ouais. C'est un bracelet pour retrouver les enfants. Bah enfin, je devrais peut-être le mettre. Ouais, c'est clair. À chaque fois, on le perd sur toutes les vidéos. C'est trop drôle parce que les gens ils voient la caméra, du coup ils essayent de passer vite pour pas me déranger. Et si vous savez, en vrai ça me dérange pas. Et du coup il y a un étage, mais il est pas ouf hein. Mais en fait c'est vrai qu'il est plus beau de l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est pas fifou hein. Je rêve ou quoi? Où c'est écrit pizza illimitée, unlimited lunch buffet. Et c'est un Pizza Hut. Le Tesco qui va nous sauver la vie. Bon, c'est vrai que ça a l'air bon. 1,70$. Un livre. Oh, j'avoue, ils ont l'air vraiment bon. La baie rouge, un truc comme ça. Oh là, il y a des boissons. Oh là, il y en a des boissons. Oui, il est style, genre Dr Pepper. Mais il n'y a pas de Monster ni rien. En fait, genre, j'adore toujours savoir ce qu'ils ont comme truc. Dites-moi dans les commentaires si quand vous allez dans un pays, vous êtes curieux de ce qu'ils mangent. Moi, toujours. Oh, je l'ai jamais goûté celle-là. Parfait. En plus, en zéro sugar. Elle est sublime, elle est girly en fait. En fait, je suis trop girly en fait. En fait, je suis girly. Regarde les Red Bull, ils ont des antivols. Donc, je prefer zero. Ouais. Pourquoi toi? C'est ça, moi, je pense. Vas-y. T'es sûr que c'est la boisson énergisante? Ah oui. Ouais. Mais juste 20%. Ouais, caféine et tout, naturel caféine et tout. On prend celle qui te chante. De toute façon, après, là, on va aller dans une librairie. J'ai vu une librairie qui me chauffait. Non, je vous fais pas un doigt d'honneur, je me grattais vraiment juste le nez. Leurs bouteilles, ils sont obèses. Regarde. C'est des bouteilles obèses. De toute façon, ça m'étonnerait même pas qu'on y retourne ce soir pour chercher un truc à manger. En gros, ce qu'elle montre, c'est des canettes déjà avec alcool. Ouais. Et c'est pas si cher, hein, 2,40, 2,50 et tout. Ah, y'a même Malibu là-bas. Pourquoi on a pas ça en France, nous?
Le meilleur truc, limonade, Jack Daniel miel. Oh là là, c'est trop bon ça. Bon, tu viens? Dégustation d'alcool, let's go! Let's go! On a une caméra pour savoir si on a plus de 18 ans et faut avoir plus de 16 ans. Bye, have a nice day! Faut avoir plus de 16 ans pour acheter une canette énergisante. Et du coup, il y a une caméra pour te filmer et tout. Débord. On n'a pas ça en France, nous. Ouais, c'est ça, genre, j'avais pas compris pourquoi ça avait bloqué et tout en fait. J'ai vu 16. Bah non, trop cool pour de la Monster, non. Mais pour de l'alcool, bon, c'est pas si mal en vrai. Bon, on se dirige vers la librairie. Bon, ce temps-là. Si, c'était là. C'est vrai, il était déjà perdu. Voilà pourquoi je lui ai dit, il va falloir qu'on lui mette le bracelet avec le numéro de téléphone. Mais j'avais déjà un téléphone, il fait ton numéro sur mon téléphone. Ouais, mais même là, on arrive à te perdre. En fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, les vlogueurs, ils ont. Pardon. Ok, non, c'est bon. Mais non, mais tu sais que, en fait, mon bras il tombe tout le temps. En fait, je filme vers le bas parce qu'en fait, une caméra c'est lourd. Merde, j'avais mon doigt devant le micro. Une caméra c'est. Je suis un mauvais vlogueur, je suis désolé. T'as déjà bu toi? Putain, alors elle est bonne? Elle est grave bonne. Fais-moi goûter. T'as vu? C'est hyper rouge. Tu peux me l'ouvrir la mienne? Attendez. Vas-y. Bougez pas. Merci, je vais goûter. Tu sais que t'as une main libre. Ah, au moins, j'aime bien être un assisté. C'est mieux quand c'est toi qui me fais boire et qui me fais manger. Ce soir, ça sera plus pratique. Je serai moins fatigué. Putain, j'avais encore mon doigt devant le micro. Ah, bah, on est déjà arrivé devant la librairie. Oh, ils sont pas les orts, Tom. Pourquoi y'a Under Ninja? Il y a Animal Crossing. Oh, alors Slam Dunk, il est trop classe. Oh, je suis en jump. Des bords. Ils sont en format double. Ils l'ont peut-être en format classique. Oh putain, 19 livres, ça fait genre 22 euros. Ça pique, hein. Ah, Mario Academy, ils sont assez stylés aussi. Oh, les kaijus, ils sont beaux. En fait, ils sont un peu comme nous. Mais par contre, ils ont pas de jaquette. Ça me stresse, les mangas sans jaquette. Ouais, t'as vu? Il y a même des trucs, leur cana. Je savais même pas qu'il y avait Stitch. Ça devrait déjà savoir parler anglais pour dire. Oui, c'est vrai que t'es une grosse brêle en anglais. Genre la plus grosse des nuls en anglais. Nul. Ah ouais. Putain, c'est serré. Bah, bon, ils sont archi pas bonnes, mais ils sont archi pas bonnes. Pour Twilight, le truc, la série d'animation? Non. Je t'ai envoyé TikTok. T'as bu. Non, mais voilà. Tiens, en fait, tu regardes pas mes TikTok. C'est ça ton problème. Si je travaillais, j'ai pas. Oui, non. Oui, allez. Ça, c'en excuse tout le temps. Si je travaillais. Comme si je travaillais pas. Par contre, je trouve leurs tomes, ils sont tellement plus beaux que les nôtres. Non, on a celui-là, là. Ouais, je sais, je m'en rappelle. C'est grave de tous mes achats. Vous l'avez pris à Chamlaise. Ah, Amelie. Ouais. Du coup, là, on se pose une question. Parce qu'il est bientôt midi. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Mais on n'a toujours pas été à Amelie. Faut qu'on y aille. Je m'en fous. C'est pas grave, on marche, on a que ça à faire, des vacances. Ah ouais, je vous ai pas dit, sur le retour, là sur l'allée on a préféré, sur le retour on va passer sous le tunnel, on va passer sous la Manche. En fait moi j'ai déjà fait tout ça, mais le caméraman, je crois que j'ai déjà expliqué, mais au cas où si je l'avais pas expliqué, le caméraman n'a jamais fait, donc c'est une première fois. Tu sais, on a oublié de leur raconter un truc sur la fille qu'on a oublié au ferry. On a dû faire un demi-tour sur la route avec le bus, parce qu'en fait il y a une fille, elle s'est endormie sur le ferry et elle s'est pas réveillée. Et personne à Calac, elle était pas là. One eternity later. Et non, du coup, on a dû faire demi-tour. Voilà. L'histoire était pas si folle, en fait. Allez, c'est bon. On se retrouve au Shake Shack. On est arrivé au Shake Shack. Bah oui, parce qu'il parle hyper bien anglais. C'est bien connu. Bah, quand il parle doucement, je comprends bien. Okay. Jamais de la vie. Ton iPad, c'est qui a parlé avec le gars? Bah, c'est moi. C'est moi. Tout. Et toi t'as rien fait en fait. Toi t'as rien fait. T'as rien fait. C'est même pas courir toi. Avec ton quintal là. Ouais là c'était sûr. Ça fait quoi de manger un chèque chez un cadeau? Je mange une pizza à blanc. Tu casses les couilles. T'as vu comment t'es trop fraîche? Vas-y, ok. C'est bon, arrête.
Wow. Ça fait exprès. Bah, c'est toi qui parles anglais. Alors... Moi, je pense que je vais prendre encore. Ah, il n'y a plus le. Il n'y a plus le truffe. And one hot dog, please. One hot dog. Oh la commande, elle prend 15 ans. No drinks for you. No, okay, let me repeat your order. Yeah. One check maestro, single, one small check, single, one caramel shake, one hot dog. Yeah, okay. It's perfect. J'adore dire c'est parfait alors que. Alors, on vous pose ici, bougez pas. Voilà, très bon. Ah, parce qu'elle bouge, bah ouais, à chercher le beau gosse que je suis en fait. Ah, maintenant là, qu'elle tourne pas alors. Comment c'était petit, pas drôle. En fait, c'est pas drôle. C'est pas si ça est drôle. Pardon, elle m'a appelé Steven. Moi, c'est Steven. Steven, putain, casse les couilles. Non, j'ai dit Esteban. E-S-T-E-B-A-N. Esteban. C'est le mec qui comprend. C'est quand qu'on mange là? On a faim. Et c'est le numéro 6817. Alors, comment on le fait? Alors, 6817. Ou 168. Et 17. Regardez cette Instagrammeuse dans le carton là. Tout le plateau, je suis en train. Allez les filles, moi aussi je fais pareil. Poser avec ma go. Non. Oh, my best friend. Oh, my best friend. C'est bon, on graille ou quoi là? En fait, je sais même pas si. Ah, ça doit être le mien. Le smoke. Smoke chicken. Oh, les gars, et le pain. Oh, j'avais oublié. Regarde, c'est un pain fermé. Ah, oh, je sais pas, moi aussi. Ça sent bon. Oh putain, j'avais oublié qu'il était pas ouf lui. Ah, ça c'est peut-être le smoker en fait. Je sais pas. Elle est bien meilleure souvent. En fait, chaque fois c'est toujours en validé. Ah, j'avais pas encore goûté leur. Tu vois que je passe ça la dernière fois. C'est pas parti, t'as de la chanter dans le coin. Ah. C'est pas possible, t'en fous pas. Ah, c'est bon. Pourquoi tu goûtes la glace avant de manger? Parce que je suis un mec d'ici. Elle est pas ouf, hein. Elle est pas ouf. Et Théma le bi. Oh les gars, y'a pas de sauce. Y'a pas de sauce. Ah, peut-être tu ça me mets du ketchup ou de la moutarde ou de la mayo? Est-ce que tu veux? Elle met quelque chose, quoi. Matez-moi ça. Là, ça a l'air trop bon, là. On va faire un dog. Ça c'est la pause quand je suis heureux ça. Bon, on finit notre repas et on se retrouve juste après. On se dirige vers le Lego. Voilà. Là on est en pleine digestion du coup, j'ai envie de dormir. On récupère l'hôtel à 15h, de toute façon on vous présentera. Ça fait une petite maison londonienne, ça allait assez classe. Et voilà. Hein. Après, là, faut toujours qu'on trouve mon t-shirt. Hein. Harry Potter. Harry Potter. Oh my god, regardez-moi ce Lego. C'est pas le Lego de Paris. Oh les gars, il y a tellement de monde. C'est une dinguerie. Qui ferait avoir un petit Lego? Bah regarde, tu vois, 13 livres. Donc tu vois, c'est les prix internet, ce que je t'ai expliqué. Mais du coup, tu veux qu'on trouve quoi dans Lego de quel thème? Harry Potter, tu veux qu'on trouve Disney, tu veux qu'on trouve Marvel. Mais par contre, il est vraiment balèze, hein, les gars. C'est vraiment une zinzinerie. C'est la zinzinade. On va prendre un château de Disney. Hein. Et voilà. Oh, une suspension de bâtard. J'ai trouvé un tampon. Un tampon. Tampon pour dans la. Ah, il est vraiment classique aussi. Petite anecdote, je me suis. Bah, c'est pour une future vidéo. On s'est acheté avec le caméraman un Lego la main de Thanos. Sauf qu'en fait, c'était l'idée de cadeau de Noël de ma mère. Et du coup, bah, elle avait trop simple quand je l'ai reçu parce que, genre, bah, elle allait le commander. Et moi, je me suis pris en avance. Et je lui ai dit, c'est une bonne idée de cadeau au moins. Mais bon, trop tard quoi. Il y a un petit air de ressemblance, hein. Merci, c'est gentil. Bah de rien.
Bon, comme dans tous mes vlogs, à chaque fois, c'est dans le désordre qu'on fait. Du coup, là, on se dirige vers Amelie's, toujours pas chercher mon t-shirt. J'espère que je vais l'avoir. Et du coup, pour aller chercher mon t-shirt, on est obligé de passer par Chinatown. Et pour ceux qui n'ont jamais fait Chinatown à Londres, franchement, c'est un truc à faire. Hein. Déjà, on mange quoi ce soir déjà? Ah ouais, on a dit on allait choper des trucs au magasin. Ouais. Regardez-moi ça. C'est pas juste magnifique. Franchement, moi, je trouve ça vraiment trop beau. Ça, on dirait vraiment genre un petit village de Chine, tu vois. Tu vois, t'as des petits restaurants comme ça, Fugu, Shosho, Wao. Regarde, en plus, t'as des petits chiens accrochés. Le petit chien. C'est horrible. Oh, merde. Ouais, y'a pas vraiment de chien. Par contre, il y avait des chats. Mais c'est trop bon, le chat. Apparemment, c'est un goût de poulet. Faudrait qu'on goûte fleur. Pour ceux qui savent pas fleur, c'est mon chat. On va le mettre au barbecue. Je sais pas ce que ça a donné, en fait, là, on fait un peu une nouvelle technique de vlog. C'est que vlog tout, on parle plus. Ouais. Ah oui, faut qu'on regarde pour le ciné ce soir. S'il y a pas un BOSTFR. Bon. Nous, on se dirige vers un Blaze. Je vais regarder s'il y a un ciné, un BOSTFR pour ce soir. Et on se dit à tout de suite. Bisous. Oh merde, ma caméra. On est arrivé devant le meilleur magasin que quand t'es enfant. Ça c'est sûr. Hamleys les gars. Hamleys. T'as pris mes heures. Ah, welcome. Et dans ce magasin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils sont payés pour en fait faire des jeux. Ou des tours de magie, regardez. En fait, ce que je disais. En gros, là, il présente un boomerang. C'est abusé. Et il y a plusieurs étages comme ça, il y a 3-4 étages. Encore un qui explique. En gros, là, il présente une voiture qui monte sur le toit et tout. It's possible. Yes, yes, this is our top seller. Because with these, you can make lots of lovely money. And they are very, very, very impressive. They also make you look like, they make you feel like a real professional magician, even if you've never done magic before. Wow. Magic. Real magic. J'ai carrément compris le tour. J'ai fait semblant de surréagir. T'as compris? Ah oui, t'as rien compris? En fait, tu sais pourquoi moi je comprends? Parce que je l'avais quand j'étais petit sur une magie. En gros, c'est un tas préfet. Et quand on tourne, en fait, à l'intérieur... Bah attends, non, j'explique quoi. Peut-être qu'il y en a, ils ne comprennent pas, pardon. Peut-être qu'il y en a, ils veulent garder la magie. Quoi? Ah, j'avoue. Waouh, waouh, waouh. Les gars, je viens de voir un truc qu'on peut goûter. Ça. Ah, thanks. Oh. Thanks. Oh, les gars, c'est trop bon. Mais du coup, c'est quoi un petit gratin déjà? Dans quoi? Tu te rappelles pas? Ah, les contes de Grimm. Comme ça, c'est trop bon. Bah, on va au monde d'Harry Potter, peut-être que je vais trouver mon t-shirt en fait. Voilà. Waouh. Bien fait, Mia. Pareil, hein. Bien sûr, on a le tour. Moi, franchement, je pense que je devrais être un magicien. T'as compris comment il faisait? Non, j'ai fait oui. Oui, attention. Ah, t'as vu, il y a des tote bags. C'est un peu cher. 20 livres. Ouais. Mais si je trouve un t-shirt. Putain, là, il y a des pulls. Ah, je vais tomber encore. Il y a des pulls, mais il n'y a pas un petit t-shirt avec un petit logo. Putain, j'ai failli retomber, c'est une galère. Heureusement qu'il y a la stabilité. Hein. Comment il est stylé. Les baguettes. Voilà. Dites-moi, quel est votre Harry Potter préféré? Moi je pense... Toi c'est quoi ton Harry Potter préféré? Oh sorry. Entre 1 et 3. Le 3 c'est lequel déjà? Le prisonnier d'Azkaban. Bon, en fait je trouve que c'est à ce moment-là que ça devient plus adulte. Qu'est-ce qui vous me présente? Go ahead to the right. Goes towards the right. Move to the left. You guessed it, goes towards the left. Turn in a circle, it goes around your body. Now, these do come with videos as well as written instructions. Coins.
no batteries, no recharging, and no power needed. You too can easily update any of your friends' bot items just like magic. Iced tea? Yeah. Okay. Yeah, thanks. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est long. Franchement, c'était grave bon. En fait, la vidéo elle va s'appeler « On teste le plus de choses gratuitement ». Toi, c'est quoi ta destination genre préférée? Genre en mode là, je te dis un pays, on y va tout de suite. Croatie. Ouais, j'allais dire, laisse-moi deviner, tu veux dire Croatie. Même pas les États-Unis. Moi, je pense que je retourne aux States. Hein. Ouais, Los Angeles, c'était trop bien. Mais moi, en fait, je kifferais faire, tu sais, la Floride. On a déjà fait la Californie, tu vois. La Floride, ça doit être un truc aussi, hein. Miami et tout. Même Disneyland Orlando. Ça doit être patate. New York, patate. Bon, là, on se dirige vers un magasin Disney. Je suis pas sûr que je vais filmer, à part si je trouve mon t-shirt Harry Potter. Mais bon, ça m'étonnerait. Bon, je sais, j'avais dit que je filmerais pas, mais les gars, c'est trop classe. Oh, sorry. En plus, c'est Halloween à Disney. Regardez-moi ça. Si tu commences à en avoir marre, on le voit partout, lui. Ok. Ouais, il est pas si fou, hein. Oh non. Regardez, j'ai 5 secondes du regard à prendre des trucs. Tu poses ça, tu poses. Ça, c'est pas possible, c'est combien? Ça va, ok, tu peux reprendre. Comment ça doit valoir une blinde ces trucs là? Y'a pas le prix? Oh, c'est lourd. C'est tout? Ça me paraît limite bizarre quoi. Check bro. Check. Ouais, il veut pas me check hein. Je pense qu'il a mal pris ce qu'on lui a fait la dernière fois. Chabite. Je suis pas fier de cette blague, je m'excuse par avance. Est-ce que les go ils étaient moins chers ici genre? On a pas les prix. Ah, 6,70. On fait ça. Non, c'est vraiment un peu près les mêmes prix. Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, regarde, je te laisse 5 secondes. Non, mais je te laisse 5 secondes. Tu peux pas te laisser 5 secondes et tu fais non. T'enlèves ça. Tu enlèves ça. Non, mais c'est pas possible. Les gars, ça fait combien de secondes? J'ai même pas coupé le. Ça se voit à ma tête, je suis déprimé là. Arrête, punaise, tu vas poser ça. Hein. Loki, pour moi, c'est l'un des meilleurs méchants, on va dire, de Marvel. Hein. Y a pas de discussion, hein. Je suis désolé. Il est trop classe, mais en vrai, c'est un gentil, mais en fait, c'est un méchant. Tu vas en entendre. Il est t-shirt Simpson, mais il va pas voir Harry Potter. Hein. Donc, je pense que je vais craquer, les gars. Je vais finir par pas l'acheter. Oh, salut! Regardez comme je vous disais, vous voyez ma caméra? Elle est big hein. Oh la stabilité, oh la qualité. En plus c'est un beau gosse encore. Oh, je crois que c'est par là la caméra, pas. C'est moi ou je rêve ou t'as encore des oreilles? Mais non mais là c'est encore pire là. Putain mais c'est pas possible. Je sais même pas ce que j'ai envie. C'est Star Wars, c'est la meuf là je crois. Bon on y va? Si, on y va. On se retrouve tout à l'heure. C'est The HMV Shop. On se retrouve à l'extérieur. Si je ressors sans rien, c'est que j'ai pas trouvé mon t-shirt. Là, si je trouve, et là, si je le trouve pas. Et les Mister Bot, ou ça? Ça? Ah, c'est des t-shirts et tout. Ok. Trop classe.
Là, si je trouve pas de t-shirt Harry Potter dans celui-là, là j'abandonne. Vraiment, c'est pas possible. Là, il y a trop d'étages, trop de trucs. Putain. Oh, par contre, il y a des t-shirts trop stylés. Comment il est classe, lui. Un peu de Danny. Star Wars, Stranger Things. Not Harry Potter. Harry Potter? Oh, Harry Potter. Ah, oh, mais il est pas beau. Il est pas beau. Ah, mais regarde. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Attends, on va peut-être regarder le dos. En vrai, ça va. Attends, tiens, la cam. Ça, c'est le dos. C'est écrit quoi? Serpentard, numéro 7. C'est écrit Serpentard? Oui. Slide Steering? Bah, en vrai, pourquoi pas, non? Tu vas prendre un Serpentard quand même. Si, moi je suis Serpentard. Hein, tous les ça va pas la tête. On sait que je suis Serpentard. Toi tu prends le Gryffondor? Moi je prends pas. Mais si, on avait dit qu'on avait un t-shirt en commun. Mais je le mettrai pas demain. Bah si. Pourquoi tu voulais te mettre comment demain? J'ai ma tenue avec la jupe. Mais juste pour le studio. Bah ouais, justement, c'est pour le studio, pour les photos et tout. Mais je peux en prendre un et on en a un ensemble. Vas-y, je l'ai vendu pour ça. Est-ce que tu me cadres au moins? On voit ma tête? Bah, on te voit parfaitement. Tu sais que, en fait, genre en mode, tu peux double-clic sur ma tête et regarde. Donc ça, ça fait l'autofocus. T'as même pas obligé de bien tenir. Qui joue? Il a plus de batterie. Il va m'en rire. T'as vu encore le prix de billes? Moi, ça me suit bien. T'as dit quoi? J'ai encore le prix de billes. Ouais, moi je pense que je vais prendre lui. Hein. J'ai pas plié le fringue. Oh, t'as vu? Waouh! Wow. Si ça c'est pas de la chance, j'ai pris presque un. Parfait. Bon, ça pue! Ah, t'as pété. Casse les couilles. Oh, le rire en plus de coupable. J'ai pas pété, chat, mais ça pue ça, mais. Je vais te niquer ta race. Oh non, tu peux la mais chat, t'es trop moche là. Pourquoi t'as chier comme ça? En plus, la caméra me suit. Ah, c'est chier dessus. Ah, c'est chier dessus, les gars. Oh, la coulante. Mais t'es pas ça gentil. Coule, ça coule. Bah ouais, mais ça coule, ça coule. Mais bon, on a trouvé notre bonheur, c'est bon. On peut y aller. Toi, tu prends un Gryffondor? Ah oui. De toute façon, ça reste un magasin énorme de pop culture. Comme vous voyez, il y a un étage au-dessus, en bas, que de pop, que d'animes, de bouffe, en tout genre. Les boissons Brewery, ça doit être hyper rush. Voilà, 5 livres, ça fait 7 balles la boisson. Allô, Zara, tout. T'as des mugs, t'as tout, quoi. Vous avez compris, c'est un magasin de pop. Bon, on se retrouve à l'hôtel, les gars. Sur ce, à tout. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est beaucoup trop bobo pour nous, là. Qu'est-ce qu'on a foutu encore? Thanks. Enjoy, bah ouais. Je m'assois sur les coussins ou tu t'assois? Vas-y. Par contre, c'est classe. Hein. Ah, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Mais trop beau, même peut-être. Attends, on va voir le prix de la boisson. 15 balles, hein, le 14 balles le cocktail. Hein. Ah ouais, quand même. Aïe. Bon, on choisit et on se retrouve dès qu'on a fait une choisir. Faut qu'on parle. En fait, à chaque fois que je suis à Londres, on fait les pigeons. C'est pas possible. C'est une dinguerie. Ça, les gars, 18 balles. J'espère que c'est bon. Oh, par contre, et ça, vous allez me dire, ça a pas l'air genre trop beau. Par contre, ça a un vrai goût de litchi. Je peux goûter ton mojito ou pas? Oui. On n'a même pas trinqué, je suis en ouf. Je regoute, hein. Toujours aussi bon. Je goûte ton mojito. Je goûte le mien, ouais. Oh, je préfère le mien tous les jours. Hein. Il est beau son mojito. Les salauds, les gars. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Ils nous prennent. Bye. 5 euros. Heureusement, ils prennent 3,50 de service de charge. Donc là, c'est 31,50 livres. Du coup, en gros, on a payé 35 balles les deux verres d'alcool. Bye. Bon, d'après, c'est un truc de luxe. Si on t'appelle l'ascenseur et tout. Quoi. Ok, thanks. Comme je vous disais, par contre, c'est un truc de luxe. Ouais. J'ai tout travaillé pour un côté. On a découvert notre chambre. Franchement, elle est immense, vous n'êtes pas prêts. Attendez. Et voilà,
C'est fini. Le lit, il est minuscule, les gars. La télé est juste là. Et voilà, il n'y a que ça en espace. Et encore, heureusement que c'est un truc grand angle. Hein. Il y a quand même un armoire. On a même pas regardé la salle de bain, chiotte. Tu veux pas faire ça? C'est un placard. C'est un placard? C'est un putain de placard. Les toilettes, ouais, par contre, c'est serré. Hein. Genre, à la limite, tu chies la porte ouverte, quoi. Et oh, et la douche. Oh, la douche, comment elle est grave de ouf, malade. Ah, j'ai mis ma tête sur le tapis. Ah, c'est un fouli, là. Par contre, t'as déjà le douche. Après, je sais pas combien ça fait. Ça se trouve, il y a des traces de me sperme. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh, c'est... Par contre, elle est dégueulasse, la chambre. Heureusement que ça fait très londonien. Oh, putain. On peut pas ouvrir la fenêtre. Elle est déjà ouverte. Ouais, mais je pensais qu'on pouvait l'ouvrir plus, quoi. Débrief à chaud, c'est de la merde. Bah, par contre, attention. Non, par contre, on dit pas. Mais on a vu sur poubelle, quand même. Ah, c'est pas n'importe quoi. Débrief à chaud, t'en penses quoi? Je te laisserai plus jamais choisir, j'en ai marre. Allez, on oublie ce qu'elle a dit. Raconte que des bêtises. La vie. Les gars, on est arrivé enfin dans la chambre d'hôtel. Et quand je vous dis qu'on a complètement craqué, on a complètement craqué. Un coca vanille, les gars. Oh putain. Coca citron, je dis coca vanille, je suis au fou. Hein. J'ai jamais goûté coca citron. Wow. En fait, c'est un coca hyper acide. Oh putain, on passe au prochain. Avant de vous présenter les prochains, regardez-moi cette belle boîte de donuts. Osez me dire que ça donne pas faim. Bien sûr, on en goûtera un à la fin. Mais je vais pas tout goûter ce soir. Parce que sinon, c'est sûr, il va y avoir du gaspillage. On passe à un petit snack. C'est des petits snacks au roast beef. Oh, ça pue. Oh, ça... oh non. Oh, ça pue la bouffe pour poisson. En fait, si ça passe, hein. Ça passe dans la main. Au début, j'avais un arrière-goût un peu de chat. Ouais, c'est tombé. On enchaîne avec du bœuf effilé. Oh, ça a l'air d'être une dinguerie, ça. Niveau sandwich, par contre, ils ont tellement plus de choix que nous. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Il y a comme une petite confiture à l'oignon. Oh là là, c'est une dinguerie, les gars. Ça, c'est validé à 100%. On enchaîne avec un samoussa géant au petit pois. Ça va rendre ça, je suis pas sûr. Ah mais attends, on peut faire chauffer en fait. On a un micro. C'est combien de temps, micro? Bon, allez, c'est tombé. Ah, on va le goûter froid. C'est un petit truc. Ça donne un petit goût. C'est pas dégoûtant, hein. Et comment je vais tout dégainer ce soir. Je vais rouler. Alors, on enchaîne avec une spécialité anglaise. Pork pie. Je sais pas c'est quoi. Melton, ouais, pork pie. Ça ressemble à ça. Ouais, ça c'est pas fou. En fait, on dirait un peu du pâte et de la rillette, mais en viande dans un pain. Pas fou. Parce que s'hydrater, c'est très très important. On a que des canettes avec alcool. Mais ça, pour le voir, va falloir regarder le TikTok ou le YouTube Short. Je vous les présente quand même. Du coup, il y a un Malibu Strawberry, un sirop tropical passion, une Smirnoff Raspberry et un Jack Daniel Limonade. Je pense que ça peut être un petit banger, surtout le Jack Daniel Limonade, seuls les vrais savent que c'est trop bon. On est bientôt à la fin, et il faut bien s'hydrater, et s'hydrater avec classe, c'est s'hydrater avec Deadpool les gars. C'est pour le film Deadpool et Wolverine, je crois que le caméraman il m'a dit que c'était une eau avec des vitamines. Franchement c'est de l'eau de base quoi. Tu vois ça a juste un goût d'eau, et il n'y a rien d'écrit dessus, trop chelou. Bon, ça boring. On passe au wrap, le wrap ça a l'air d'être une petite dinguerie, je peux goûter? C'est pas à moi, c'est au caméraman. Bon, vous savez comment j'aime goûter tout. On dirait que je suis un gourmand. C'est dans quoi ça? Genre, t'es un gourmand. Ah putain, c'est dans une série, dans un anime ou une rêve. Ah, c'est un mini-bras. À croire qu'à Londres, ils ont que des trucs trop bons. Par contre, c'est un peu spicy. C'est pas dit, mais c'est un petit arrière-goût de piment quand même. Et du coup, il reste plus trois articles, je vais vous les montrer. Un duo de ficello mais à l'orange, trop chelou.
Ça, vous connaissez, j'ai déjà fait la dégustation sur ma chaîne. Et ça, ça a l'air juste dinguerie. Je pense qu'on va goûter ça demain matin. Avec d'autres, bah, peut-être les donuts, peut-être d'autres petits déj. Du coup, on va se finir là-dessus. Ah, ça pue. Ah, ça pue de ouf. Que c'est comme les ficellos, genre en mode tu peux les... Ah ouais, tu peux les ficeler. Ouais, ça a aucune utilité, aucune, abusé. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, on se retrouve demain. Ciao. Beaucoup plus de facilité à décrire un de ces projets. Il ne m'a même pas en parler, c'est moi qui ai...